Ça a l'air... sur l'éponge. C'est quoi ce sac? Oh t'inquiète Lily, c'est pour mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat, ouais. J'avais encore fait là. Oh là 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 là, ça colle bien. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Oh j'en ai assez, ils m'ont encore pranké. Ils ont mis du dentifrice sur mon téléphone pendant que je dormais. Bon, qu'est-ce que je peux leur faire comme prank moi aussi? J'ai bien mon idée. Ça fait des jours et des jours qu'ils me parlent d'un chat. Ils veulent trop en adopter un, mais moi j'ai pas tellement envie, ça pue un chat. Ouais, j'ai une idée. Je vais mettre sur ma tablette une vidéo où on entend des miaulements de chat. Je vais le mettre sous l'oreiller. Voilà. Et après, je vais leur faire croire que j'ai acheté un chat et qu'il se balade dans la maison. Stéphane, c'est toi qui es dans ma chambre, mais... Bon, allez, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Lily Rose? Non, rien, je t'expliquerai plus tard. C'est quoi ce fauteuil? Vas-y, pars. Au revoir, à tout à l'heure. Mais j'ai pas apprécié le prank, hein. Oui, c'est pas grave. Au revoir. Mais tu m'expliqueras ce que c'est, cette chaise roulante, hein. Il se passe des choses de plus en plus bizarres ici. Je suis là, Lily Rose. T'inquiète. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais t'es sérieuse? Je t'expliquerai plus tard. De quoi tu m'expliqueras plus tard? Mais c'est trop bizarre. Pourquoi t'es en fauteuil roulant d'un coup? Rien. Pour rien, ne t'inquiète pas. Non, attends. T'as entendu? Oui. On dirait des miaulements de chat. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, je vais te pousser. Je te mets dans un coin, bouge pas. C'est sûr qu'il y a un chat. Un chat dans la chambre. Yo, kiki. Vas-y, va chercher des croquettes. Oula. Vas-y, va chercher des croquettes. Le chat. Eh oh. Petit chat. Punaise. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. C'est une vidéo avec des miaulements de chat. C'est sûr que c'est un prank de Peppa Pig qu'il a mal pris qu'on l'ait pranké. Oh. Il veut jouer à ça. Et toi, tu veux jouer au fauteuil roulant, visiblement, même si c'est pas un jeu. Je vois pas ce que tu fais avec ça. C'est pas marrant. C'est censé être un truc médical. Oui, bah c'est un truc médical. Enfin bref, ça va être le prank story. Allez, lève-toi là, on doit faire l'intro. Ouh, ah bah, tu peux te lever? Oui. Mais c'est quoi ce délire là? Pourquoi t'as pris ça alors? Bon, c'est pas grave. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est super content de faire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Esteban? On va... Toi, c'est moi de parler, parce qu'aujourd'hui on va faire un prank story. Et on va pranker Peppa Pig parce qu'il nous a fait croire qu'on allait avoir un chat, alors qu'il n'y a pas de chat. Tac, pour le premier prank, alors regardez tout ce que nous avons préparé. Alors là c'est un prank assez gentil, bon le refaites pas chez vous parce que c'est pas très gentil quand même. Mais ça va, c'est un petit prank par rapport à ce qu'on lui a déjà fait. Alors regardez ce qu'on a préparé, venez. On a préparé une éponge, du Nutella, de la pâte à tartiner et quelques petits trucs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant de lui préparer un gâteau. Et en fait ça sera une éponge, donc quand il va le manger, il va croquer dans l'éponge. Donc ça risque d'être drôle, mais bon, c'est que le début de la journée parce que tout ce qu'on va lui faire... Il prépare des bons petits trucs. Ouais, allez, c'est parti. Oui. Allez. C'est parti, le petit Nutella, regardez-moi ça. Sponge sur l'éponge. Allez, vas-y, continue. Après, tu vas faire une petite décoration. Oui. Allez, vas-y, montre-moi ça. Ah, ça a l'air trop bon, en vrai, j'ai... Mais par contre, dégage pas tout le Nutella et... Ah, j'ai une idée, j'ai une idée de prank. Quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il fasse sa sieste, parce que souvent il fait la sieste là, et on va mettre plein de Nutella sur son visage. Et là, à la porte, on mettra un film plastique, et comme ça, quand il voudra partir de la pièce, il se prendra le film plastique avec tout le Nutella. Un extrait tout de suite si on le fait. Encore fait là. Bon bah ta petite recette continue là. Il va falloir faire tous les côtés, hein. Oui je sais. Donc utilise pas tout le Nutella, surtout si on veut faire un autre prank avec. Oui. Allez, dépêche-toi. Oh mais je pense que ça va lui donner trop faim, surtout si on met des trucs comme ça. Même moi ça me donne faim alors que je suis au courant. T'es au courant, ça se dit pas. Tu es au courant. Ah je vois. Ça commence à prendre forme là. Ouais. T'es une vraie boulangère toi. Oui. La boulangère. Bon, il faut couper un petit peu là parce que... Oui mais t'en dis pas, on... Il faut rajouter. Il faut rajouter parce que là ça manque un peu de... Ça manque un peu de Nutella. Voilà. Mais il est appétissant. Oui. Ton éponge est appétissant. Oui. Waouh. Regardez-moi ce gâteau. En vrai, il est appétissant. Et oui. Oh, tu manges le Nutella. Ça y est. Bon allez les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler notre père, on va appeler Peppa Pink et on va lui faire manger ça. Je sais pas combien de fois il va croquer dans le truc avant de se rendre compte que c'est une éponge, mais la texture à mon avis, elle est dégueu. Ouais. Surtout refaites pas ça chez vous. Gâchez pas des éponges et surtout faites pas ça parce que c'est du gaspillage. Peppa Pink. Qu'est-ce qui se passe? Bah on a décidé de se réconcilier, d'accord? Et de te faire ça regarde. Un gâteau.
Voilà, pour nous faire pardonner de t'avoir pranké, on a fait un gâteau. Non, tu l'as acheté à la boulangerie, c'est pas toi qui l'as fait. On l'a fait, regarde, il y a tout le matériel et tout. Regarde, non, tu l'as acheté, vous l'avez acheté. Ouais, ouais, on l'a acheté, vas-y. C'est pas mon anniversaire. Oh, c'est gentil, attends. C'est le gâteau. Merci, merci. C'est le gâteau de la réconciliation. Bon, les gens ils vont mettre un like. C'est pas un prank et que t'as mis de la menthe ou quoi que ce soit. Les gens ils vont mettre un like tellement il est beau. En plus, c'est un gâteau Nutella ce que je vois. Ouais, j'aime bien. Vas-y, goûte. Ah là là là. Goûte. Tu nous en diras des nouvelles. Avec des paillettes. Vas-y. Vas-y. Ah, fais quoi? C'est une éponge. Une éponge. Ah. Oh non, non, non. Vous m'avez encore pranké. Bande de. C'est chaud, hein. Oh là là. Regardez. Je sais pas si vous avez vu comment il a croqué. Moi je me régale. Et comment je vous ai comment t'as croqué dans le truc. Ah ouais, ah, je pensais que c'était un vrai gâteau. Tu vas te venger ou pas? Bah non, je vais pas manger une éponge. Non mais tu vas te venger. Ah bah, compte sur moi. Le prank story il est loin d'être terminé là, c'est épique. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me venger? J'ai plus d'idée de prank, moi. Ah bah tiens, Peppa Pink, tu es là. Bah oui. J'ai une petite idée en tête, parce que moi aussi j'aimerais bien piéger Lily Rose. C'est vrai? Ah ouais. Moi aussi. J'aimerais bien pour le prank story, ça serait super. Mais par contre, tu me fais pas de prank après. Non. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est que j'ai une petite idée. Il faut aller dans la voiture. Je vais me cacher dans un sac. Dans un grand sac en tissu. Ouais. Et tu vas faire croire à Lily Rose que tu vas aller avec elle au magasin de jouets ou un truc comme ça. Ouais. Et moi d'un coup, avant de démarrer la voiture, je vais sortir du sac pour lui faire peur. Ça va être un super prank. Je crois qu'elle va avoir vraiment peur. Allez, là. On y va, c'est parti. Tout de suite, on y va. C'est parti, là je suis avec Peppa Pink, est-ce que tu es là? Ouais. Et voilà, donc j'ai le sac dans lequel je vais devoir rentrer. Oh là là, et bah, je sais pas, comment on peut justifier le fait qu'il y a un sac comme ça dans la voiture? Je sais pas. Bah, parce que là je vais vraiment rentrer. J'ai quelque chose avant, okay. Je pense qu'elle connaît le sac, on dit que tu transportes des livres, des trucs comme ça. Oui, vas-y, je vais rentrer en entier à l'intérieur. Ça va aller. Et quand elle va rentrer dans la voiture et que je vais sortir du sac, elle va avoir peur. De toute façon, je peux Attends, pas t'aider. Je ferais mieux de rentrer avec un masque. Ouais, quand tu l'appelleras pour la faire venir, tu me ramèneras un masque de sorcière. Vas-y. D'accord, ok. Vas-y, on fait ça. Bon allez, les amis, à tout de suite. Là, franchement, ça rend trop bien. Regardez, je me mets en forme de sac. Là, mes pieds, ils sont là. Donc, quand je serai rentré, bon, faites pas ça chez vous, surtout avec n'importe quel sac. Hein. Là, c'est un sac en tissu. On peut respirer à travers au calme. Et puis, de toute façon, je vais me mettre à l'intérieur au dernier moment. Ah, c'est bon, il est là. Vas-y, viens. Viens. C'est bon, t'as le masque? Ouais. Allez, vas-y, donne-moi ça. Et tu dis que tu la filmes quand elle rentre. D'accord. Tu dis que c'est pour un vlog, ok? Ok. Vas-y, tiens, vas-y, ça. Hop, je vais mettre vas-y, ça comme ça. Tu mets le masque. Ah, c'est bon? Ouais, ouais, là, c'est impeccable, là. En plus, c'est bien, j'arrive à respirer. Bouge plus. Lily Rose, tu viens? On part au magasin. J'arrive! Mais pourquoi on va au magasin d'un coup, là? Salut, allez, ça rentre. Va? Bah oui, ça on va. Va au magasin. C'est allez, quoi ce sac va, oui. C'est quoi ce sac? Oh, t'inquiète, Lily, c'est pour mon travail. C'est bizarre, il y a un animal dedans. Mais c'est trop bizarre. Bon, allez, on y va. Allez, ouais, on y va. Mais c'est toi. Ah, oh, tu m'énerves. Oh, ça va, t'as pas eu trop peur. Non. Bon, du coup, on va au magasin. En vrai, ce sac il est trop bien, je pourrais dormir dedans hein, parce que franchement il est pas mal. Hein. Bon, donc t'as cru vraiment qu'on allait au magasin? Bah, c'est, ça, c'est ça aussi le prank, c'est pas que t'y vas pas, bah, tu oui, vas pas au magasin. Pas au magasin. Bah, non, tu te rappelles pas, c'est le confinement. C'est le confinement. Ah oui, c'est vrai. Donc ouais. On peut pas aller au magasin chez nous, voilà, c'est comme ça. Bon, je pense que. Bah, tu vois, tu m'as bien eu tout à l'heure. Là, tu vas avoir envie de te venger de Peppa Pig. Oui, même de toi. Moi aussi, oui. On se retrouve pour la suite du prank story. Je t'ai bien pranké pour cette fois. Bah, de toute façon. C'est un prank story, c'est comme mais ça, oui, c'est comme ça. Et là, on va devoir pranker Peppa Pink. Parce que toi, t'as envie de se venger et oui. Moi, j'ai envie de rigoler. D'ailleurs, comment ça fonctionne ce truc? Comme ça. Franchement, ça doit pas être facile tous les jours d'avoir ça. Ouais, surtout sur oui. Les trottoirs, donc alors, bah, bon courage à ceux qui sont en fauteuil roulant parce que ça doit pas être simple du tout. Pour ce prank story. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons un peu. Cellophane Peppa Pink, on va dire. On va cellophaner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que Peppa Pink fasse sa petite sieste sur le lit. Et regardez ce qu'on va lui faire. Attention. On va reprendre du Nutella. Et on va et lui on va étaler sur le visage. Ça sauf va être que marrant. C'est pas terminé du tout. Oui.
Et pour finir, on a un petit peu de cellophane comme ça. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est très simple, c'est un film plastique comme ça. Et on va le coller à la porte comme ça, après lui avoir mis le Nutella, bien sûr. On va le coller à la porte comme ça. Et quand il voudra nous courir après, bah, il va se prendre ça avec tout le Nutella sur son visage. Ça va être trop drôle. Là, c'est bon, on attend juste qu'il rentre dans la chambre de Hiro. Ça va? Ah oui. Tu fais quoi? Bah écoute, je suis un peu fatigué, je vais faire une sieste là. Encore? Bah avec tous ces pranks là que vous me faites. D'accord, bah vas-y, fais ta sieste, allez. Fais ta sieste. Bon, on va attendre 5 minutes et on arrive. Oui, allez, c'est parti. Donc normalement, il dort. Punaise, il dort toujours avec ses chaussures, je sais pas pourquoi. Ça va, Peppa Pink? Attends, on va vérifier qu'il dorme bien, parce que sinon... Non, arrête. Non, attends, il ronfle pas comme d'habitude, c'est bizarre. Non, mais là, il dort, c'est vas-y, sûr. Vas-y, sur le front. Quand il va se réveiller, il va être dégoûté. Attends, il croit qu'il fait un rêve. Oh, quel beau rêve, ça sent plus que vas-y. Allez, sur les joues, sur les joues. Laisse-le comme ça, c'est bon, laisse-le comme ça. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas ça. Pas des pépites. Voilà, c'est bon. Regardez. C'est... Allez, vas-y, coupe ça. Allez. Non, mais c'est bizarre là, il ronfle comme dans un dessin animé. Vas-y, prends le cellophane. Ok. Et attends, là on a préparé des bouts de scotch. On va mettre le cellophane ici, comme ça quand il va nous courir après, d'un coup on va le réveiller. C'est bon, le cellophane est 100% posé, donc il est à sa hauteur, il va se le prendre, c'est sûr. Bon, maintenant j'ai plus qu'à réveiller la bête. Vas-y, va par là. Ça va? J'étais en train de faire une bonne sieste. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe là? De quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat, ouais, vas-y. Vous encore fait. Oh non! Qu'est-ce que vous avez fait encore? Ah, Lily-Rose, c'était bête. Vous m'avez encore pranké. Non, mais c'est pas possible. Ah, Lily-Rose revient. Meilleur prank. Oui. Franchement, on a rarement fait un prank. Je sais pas si t'as vu, il a laissé le cellophane sur lui pendant un certain temps. C'est drôle. On aurait dit Peppa Pig. Oui. Bon bah là c'était top. Bon par contre je pense que là il va préparer une vengeance de fou furieux. Hein. Ouais. Je sais pas ce qu'il va préparer mais on a intérêt à faire attention à pas se faire pranker. Ça tombe, il va décider de nous pranker tous les deux en même temps. Bon je sais pas, en tout cas on se retrouve tout de suite s'il y a une suite. Ah, ils m'ont bien eu encore une fois mais j'ai pas l'intention de me laisser faire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah bah tiens, ils ont laissé leur téléphone. Ça me donne une idée. Tiens, il y a du scotch. Ah ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais coller leur téléphone au plafond. Ah là là là, allez, c'est parti. Hop, ce bout de scotch, je vais prendre ça comme ça. Ah voilà, je vais coller les deux téléphones comme ceci. Allez, je vais en mettre plusieurs comme ça. Ils vont pas pouvoir les récupérer rapidement. Voilà, je pense que c'est suffisant pour pouvoir les coller au plafond. Alors, ouais, ça va, ça colle bien. Oh là 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 là, ça colle bien. Ils vont se demander, mais où est mon téléphone? Esteban, Lily-Rose, vous pouvez revenir dans la chambre, il y a une surprise. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Quoi? T'es passé où, Peppa Pink? Eh oh, t'es où? Attends, mon téléphone sonne. Il est où? Mon téléphone? Eh oh! Mais bien, mais. Oh non, il a pris nos téléphones, c'est sûr. Je sais pas où il est. C'est sûr qu'il a pris nos téléphones. Mais... Il a dû les cacher. Non! Esteban! C'est pas possible! Nos téléphones, ils sont au plafond! Pourquoi il a fait ça? Attends. Vite, je vais essayer de récupérer ça. Ah mais ils sont tout collants. Oh non. Oh vas-y tiens, prends ton téléphone. Mais c'est nul ce prank, on a pu les récupérer direct. Je sais pas ce qu'ils s'imaginaient en faisant ça. C'est sûr qu'il va falloir se venger. Il va falloir faire un prank final. Mais je pense que ça sera pas dans cette vidéo parce qu'il faut le préparer. Oui. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À la prochaine, bye bye. Cliquez sur une vidéo qui apparaît bien sûr.